Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui, trois histoires comme d'habitude. Vous êtes sur la chaîne de Makou et sur ma chaîne, je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, mais aussi des true crime. Alors, si vous voulez en voir plus et de plus en plus, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et évidemment à liker les vidéos. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit et ça vous permet de voir du contenu qui vous plaît. Sur ce, on est parti pour ces trois threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Nathan et elle s'est passée il y a 9 ans. Pour nous mettre un peu dans le contexte, il nous explique qu'il venait de mettre fin à une relation de 4 ans et qu'il avait du coup déménagé dans un petit immeuble un peu vieux du centre-ville de Paris. Il dit qu'à l'époque, il était serveur et que c'est difficile en tant que serveur dans le centre de Paris de pouvoir s'offrir un grand appart, donc il était un peu délabré, mais bon, comme il le dit, au moins, il avait un toit. Les deux premières semaines après son emménagement, rien ne se passe, mais rapidement, il commence à entendre quelqu'un murmurer et parler dans l'allée de son immeuble, et proche de sa porte surtout. C'était des marmonnements qui disaient « Va et meurs, meurs, meurs ». Bon, déjà, un petit peu chelou. Et quand Nathan va voir dans le judas de sa porte, il voit un homme torse nu, qui fait très sale, en train de gratter sa porte et de répéter « Va et meurs ». Et ça se répétait toutes les 2-3 nuits, il venait devant sa porte, continuait à le menacer, à répéter des choses bizarres ou à chanter des chansons avec une voix d'enfant. Nathan était un peu tenté d'ouvrir la porte pour lui demander ce qu'il lui voulait, sauf qu'il était quand même un petit peu inquiet qu'il cache autre chose, par exemple un couteau, parce qu'il ne pouvait pas voir ses mains à travers le judas. Bref, les nuits passent et un jour Nathan tombe sur lui en pleine journée et ce qui l'a étonné, c'est que le mec avait l'air tout à fait normal et que quand Nathan lui demandait ce qui se passait la nuit, pourquoi il venait gratter à sa porte et faire des trucs chelous, et le mec niait tout en boucle et il semblait ne se rappeler de rien. Nathan, il est quand même un peu agacé, il se demande comment c'est possible qu'on ne se souvienne pas de ce qui s'est passé la nuit, sachant qu'il fait ça pratiquement toutes les nuits et qu'il fait des trucs vraiment bizarres, donc il s'énerve un peu contre lui, mais le mec a vraiment l'air de pas comprendre. Bref, jusque là, pas plus d'informations, le mec a pas l'air de se rappeler, Nathan continue à vivre sa vie, il a pas trop le choix, il est dans son appartement maintenant, il vit sa vie. Quelques semaines plus tard, alors qu'il rentre avec une fille qu'il a rencontrée dans un bar là où il travaille, ils passent la soirée ensemble tranquillement, puis elle finit par partir et lui s'endort très rapidement. Sauf que là, les marmonnements ont recommencé, mais ils avaient l'air très très proches. Et au moment où il ouvre les yeux, il voit l'homme qui grattait à sa porte se frapper la tête contre le mur à l'intérieur de son appartement et chanter des berceuses très bizarres avec toujours une voix d'enfant. Nathan nous dit qu'il est totalement paralysé par la peur, qu'il essaie de communiquer avec lui, mais qu'il se mettait simplement à sourire et qu'il a fini tout simplement par sortir de son appartement tout seul. Nathan a immédiatement appelé la police. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont attrapé cette personne et l'ont envoyé directement en hôpital psychiatrique. En fait, cette personne avait déjà été diagnostiquée comme schizophrène. Il n'était plus censé vivre chez lui, puisqu'en réalité c'était le voisin de Nathan. Et il s'était apparemment enfui d'un hôpital il y a 2 mois, qui avait été signalé, mais sans aucune enquête de la police. Il avait même été envoyé dans cet hôpital psychiatrique après avoir assommé quelqu'un avec une pelle et l'avoir envoyé dans le coma, sans aucune raison. Nathan nous explique qu'il ne l'a jamais revu et qu'il espère ne jamais le revoir. Il ne sait pas ce qui aurait pu se passer. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Valentin et elle s'est passée alors qu'il était étudiant. Il explique que dans la ville où il est pour faire ses études, il y a énormément de bars le soir et que si vous cherchez des bars avec des offres pour l'alcool assez alléchantes, il suffit simplement de se balader. Valentin, lui, il sort beaucoup avec ses amis, mais c'est pas un gros buveur comme il le dit lui-même, parce qu'il trouve que l'alcool a pas très bon goût et qu'en plus ça lui fait mal au ventre. Et d'ailleurs, Valentin, tout le monde l'appelle un peu le papa du groupe, puisque c'est souvent lui qui s'occupe de ses potes une fois qu'ils sont totalement torchés. Vu que lui ne boit pas, évidemment, il a le mauvais rôle. Enfin, il a le bon rôle du point de vue, mais pour lui, ça doit lui faire chier un peu des fois. Bref, un soir comme un autre, Valentin et ses amis se réunissent et jouent un peu à la console avant de partir dans l'un de leurs bars qu'ils connaissent très bien, qui est un bar universitaire. Dès leur entrée dans le bar, les potes de Valentin vont directement chercher des filles avec qui ils pourraient passer la nuit. Lui, il explique que c'est pas trop son truc, qu'en fait, ça va le faire paraître bizarre, mais qu'il se voit mal avoir une relation donc sexuelle avec une fille sans qu'il y ait vraiment d'amour, etc. Bref, c'est son point de vue à lui, et du coup, c'est pas son style d'aller directement chercher une fille pour passer la nuit avec. Donc, au lieu de ça, en général, Valentin, il va vers le bar, il s'installe et il essaie de rencontrer de nouvelles personnes pour se lier plutôt d'amitié. Valentin, il rencontre un mec avec un chapeau de cow-boy, il discute un peu avec lui, jusqu'à ce qu'une fille commence à approcher Valentin et lui propose de lui payer un verre. Valentin est rapidement charmé par cette fille, donc il accepte sans trop hésiter. Et il dit que d'un côté, c'est pour ça qu'il est venu. Bon, ok, déjà, rechangement de situation. T'es pas venu pour ça, c'est pas ton truc. Et maintenant, bon, finalement, elle est pas mal, donc je suis venu pour ça. Espèce de charo. Bref, la fille lui paye un verre. Ils ont commencé à discuter et elle s'appelle Alexia. Valentin lui pose plein de questions pour la découvrir. Lui demande si elle est d'université, si elle est venue ici avec des amis, etc. Si elle habite ici. Mais à toutes ces questions, Alexia répondra non.
Ça lui a paru un peu étrange à Valentin parce que pour une fille toute seule se déplacer la nuit dans la ville où ils sont, il dit que c'est un peu dangereux, surtout à 1h du matin. En fait, Alexia, elle paraît beaucoup plus intéressée par lui et à lui poser des questions à lui que lui lui pose des questions. Ce qui, Valentin le perturbe un peu parce que d'habitude c'est souvent l'inverse, c'est plus lui qui pose des questions et qui s'intéresse aux gens plutôt que les gens s'intéressent à lui. Bon, Valentin il explique aussi qu'il est un peu euphorique, etc. parce qu'il a bu et comme il n'a pas trop l'habitude de boire beaucoup, eh ben il sent déjà un peu les effets de l'alcool. Pendant tout le temps où Valentin parlait, la fille, Alexia, le fixait avec un air qui lui donnait l'impression d'être reconnu, qui lui donnait l'impression d'être important. Et ça, ça lui fait plaisir à Valentin. Il avait vraiment l'impression que Alexia appréciait le temps qu'elle passait avec lui et ça lui faisait vraiment plaisir. D'un coup, Alexia, elle change totalement de comportement et elle commence vraiment à flirter avec lui, à se rapprocher de lui physiquement et à lui demander s'il veut rentrer pour aller chez elle. Comme on le disait et comme il le dit lui-même, il n'est pas du genre à coucher le premier soir. Il préfère d'abord connaître la personne. Bon, un moment, il est venu pour ça. Après, un autre moment, il veut pas coucher le premier soir. Bref, Valentin, il est pas sûr de ce qu'il veut faire, à mon avis. Au moment où Valentin lui explique ça, il est presque sûr d'avoir vu un peu de colère sur le visage d'Alexia, sauf que c'est très vite remplacé par un sourire et au même moment, elle lui propose de simplement rentrer chez elle, mais pour aller voir un film. Ce qui est une très bonne technique, hein, Netflix and chill, comme on appelle ça. À ce moment-là, Valentin accepte et il sort son téléphone pour commander à Uber, sauf que Alexia attrape directement Valentin et le tire vers la sortie du bar très rapidement. Valentin est un peu perturbé parce qu'il essaie de savoir si Alexia le compte conduire alors qu'elle vient de boire, mais elle lui répond pas. Ils sont finalement sortis du bar et là Alexia pointe une Honda Civic noire qui est garée un petit peu plus loin. Là Valentin il commence à avoir un peu des signaux d'alerte qui se déclenchent, il trouve ça un peu bizarre, il explique qu'il avait bu à peu près 6 ou 7 verres donc il était quand même très alcoolisé, mais qu'il était encore assez conscient pour se rendre compte que ce qui se passait était quand même un petit peu chelou. Ce qu'il trouve bizarre c'est qu'elle a dit qu'elle était venue seule, mais là la voiture qu'elle montre elle est garée sur une place de livraison, donc comme si elle était garée sur une place temporaire, et il a pas vu Alexia commander d'Uber parce que peut-être que la Honda Civic ça pourrait être un Uber mais il l'a pas vu faire. Et ce qui trouve encore plus bizarre c'est que Alexia est totalement alcoolisée aussi et que du coup il faudrait bien que quelqu'un conduise la voiture, mais si les deux sont alcoolisés c'était pas très prudent. Valentin repose la question à Alexia et lui demande si elle compte conduire et là elle lui répond oui tout en se collant à lui. Valentin ça le rassure pas du tout, il continue à se rapprocher de la voiture, sauf que là plus il se rapproche de la voiture plus il aperçoit des silhouettes, exactement 3 silhouettes qui sont dans la voiture. À ce moment-là, Valentin, il panique totalement, l'adrénaline monte, il pousse totalement Alexia et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il monte avec elle dans cette voiture. Alexia, elle essaie de supplier Valentin en lui expliquant qu'elle voulait vraiment avoir des relations sexuelles avec lui et qu'elle le laisserait même faire ce qu'il voulait. Mais Valentin avait déjà fait demi-tour pour retourner au club et il ne l'écoutait pas, il ne lui répondait même pas. Elle a commencé à insulter Valentin et à crier toutes sortes de choses alors que lui, il retournait donc vers le bar, vers les videurs du bar. À ce moment-là, Valentin, il envoie un SMS à ses amis, ils ont finalement tous fini par se réunir et ils sont rentrés chez eux directement. Valentin il explique qu'il est évident que cette fille était là pour donc draguer des étudiants, les faire boire et ensuite leur proposer de coucher avec eux pour les attirer dans sa voiture. Il ne sait pas trop à quoi servaient les 3 hommes qui étaient dans la voiture, mais il se doute que ce n'était pas pour des choses très saines. Valentin, il a appelé une ligne anonyme de sa ville et il a donné la description précise de la fille et de la voiture pour que les gens soient sur leur garde. Très gentil à toi Valentin. Cette nuit-là, Valentin s'en souviendra toute sa vie et il est très content que malgré le fait qu'il ait été ivre, il ait pu percevoir les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. La troisième histoire, c'est l'histoire de Noémie. Elle s'est passée alors qu'elle avait 14 ans. À ce moment-là, Noémie, elle est avec une amie et elles décident toutes les deux d'aller partir faire du vélo en forêt. La forêt est très proche de chez elle, donc pas de soucis, ses parents ont l'habitude, elles prennent leur vélo et elles partent direction la forêt. Tout se passe bien, la météo est bonne et la balade est vraiment agréable. À un moment, elle décide de traverser un vignoble qui longeait la forêt pour passer de l'autre côté de la forêt. Et pendant qu'elles sont en train de traverser le vignoble, Noémie jette un coup d'œil à droite et voit une camionnette blanche qui est garée de l'autre côté du vignoble. Certes, c'est très cliché, mais c'était bien une camionnette blanche. Sur le moment, rien d'alarmant, c'est sûrement la camionnette de l'homme qui travaille dans le vignoble. Sauf qu'une fois qu'elles sont passées devant cette camionnette, elles démarrent directement et commencent apparemment à les suivre. Au début, Noémie et sa copine pensent à une coïncidence, la camionnette pourrait très bien prendre leur direction. Sauf qu'arrivé au moment où il faut sortir du vignoble, la camionnette continue sa route et va direction la forêt, comme les deux petites filles. Son amie et elle s'engagent sur un petit chemin de terre où elles pensent que la camionnette ne va pas les suivre, si toutefois la camionnette les suit vraiment. Sauf que voilà, la camionnette s'embourbe dans ce petit chemin de terre et commence aussi à les suivre. Les deux petites filles, prises de panique, jettent leur vélo et se mettent à courir hors du chemin à travers la forêt. Elles ont couru le plus vite possible pour s'éloigner de la route et ont fini par se cacher derrière un buisson. À partir de là, va se dérouler 15 minutes. 15 minutes d'horreur, comme elles le disent elles-mêmes. Il y avait tellement d'arbres qu'elles ne pouvaient rien voir, elles pouvaient seulement entendre.
Elles ont simplement donc entendu l'homme sortir de la camionnette, marcher aux alentours, comme s'il cherchait quelque chose. Il a cherché pendant environ 10 minutes, sans dire un seul mot, sans les appeler ou quoi que ce soit pour montrer qu'il n'était pas vraiment menaçant. L'amie de Noémie est en pleurs, elle essaie de faire le moins de bruit possible, et elle est totalement tétanisée de peur qu'on les trouve. Finalement, au bout donc d'une dizaine de minutes, elles entendent que l'homme ouvre le coffre de son camion et y a mis quelque chose. Quelques minutes plus tard, elles vont comprendre qu'il a en fait pris leur vélo. L'homme est resté encore quelques minutes assis dans sa camionnette sans bouger et au bout d'un moment, il a finalement fini par faire demi-tour. Encore choquée et paniquée, Noémie décide quand même d'appeler la police car elle avait peur de retraverser le vignoble en direction de sa maison et de tomber à nouveau sur la camionnette blanche. La police répond et Noémie décrit sa situation. La police évidemment demande sa position mais il est difficile pour elle d'expliquer où elle est vu qu'elle est au milieu de la forêt. La police envoie malgré tout donc des patrouilles approximativement autour du vignoble où elle se trouve. Noémie reste au téléphone avec eux et ils déclenchent de temps en temps leur gyrophare pour savoir si Noémie les entend. Après presque 20 minutes à tourner en rond, les deux filles décident donc de remonter directement vers le vignoble pour retourner chez elles. Heureusement, la camionnette n'était plus là. Elles ont donc rebroussé chemin tout en continuant à être au téléphone avec la police et Noémie continuait à décrire aux policiers ce qu'elles voyaient et finalement ils les ont retrouvés à peu près à mi-chemin. Finalement les filles ont été emmenées au commissariat pour prendre leur déposition mais arrivées au commissariat, voilà que les policiers se moquent un peu d'elles parce qu'elles disent qu'elles ont paniqué pour rien alors que l'ami de Noémie est toujours en train de pleurer. En fait, le propriétaire de la camionnette s'est lui-même présenté au commissariat pour dire qu'il avait retrouvé des vélos au milieu de la forêt. L'homme explique alors devant la police et devant les petites filles qu'il les avait pris pour des garçons, même si Noémie dit qu'elles étaient totalement habillées en filles et qu'elles ressemblaient totalement à des filles, donc c'était vraiment bizarre de dire ça, mais qu'en gros, comme c'était des garçons, ils pensaient qu'ils allaient peut-être fumer dans la forêt et qu'ils voulaient les prévenir de faire attention pour ne pas faire un départ de feu. Mais aussi pour pouvoir les prévenir qu'il y avait pas mal de sangliers et que c'était quand même dangereux. Il a même ajouté, en regardant Noémie et son ami droit dans les yeux avec un sourire plutôt malsain, qu'il ne leur aurait jamais fait de mal parce que lui-même avait des petites filles. Noémie, elle comprend que ses explications n'ont aucun sens. Pourquoi il aurait attendu dans sa camionnette et démarré directement au moment où il les aurait vus? Filles ou garçons, pourquoi suivre des enfants dans la forêt? Et pourquoi les chercher sans rien dire pendant plus de 15 minutes, plutôt que de simplement crier ses conseils ou les appeler, ou juste de partir? Et surtout, pourquoi prendre leur vélo, sachant qu'il avait très bien vu qu'elles avaient pris peur et qu'elles s'étaient cachées? Bref, les policiers ont continué à se moquer des deux petites filles en pensant qu'elles avaient totalement exagéré. Leurs parents sont finalement venus les chercher, elles sont sorties du commissariat. Elles ont simplement vu un agent de police prendre une photo de la plaque en disant simplement « on ne sait jamais ». Bref, on se rend bien compte que c'est un mec chelou et Noémie nous explique qu'elle ne l'a plus jamais revu et qu'aujourd'hui encore, elle ne sait pas vraiment si il voulait leur faire du mal ou s'il voulait simplement, vraiment, leur donner un conseil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On perd pas plus de temps parce que je sais que la outro, c'est chiant. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Moi, ça m'aide énormément et ça me remercie pour mon travail. Sur ce, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.